إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله سبحانه وتعالى لي montrer nous vraie réussite c'est quoi vraie réussite beaucoup de gens je pensais quand résultat fin sorti je ne réussis pas je l'examen alhamdulillah C'est un jimon qui fait des efforts, qui apprend, qui passe sur l'examen. C'est une bonne nouvelle. C'est une façon qui définit réussir. Mais seulement, réussite, vraie réussite, c'est pas réussir dans l'examen. C'est pas réussir dans la vie qui on réussit, marié avec un jimon qui est content, ou bien on réussit à range, la case plus grande dans sa pays-là, ou bien on fait une roule plus grande machine. Tout ça là, c'est un dimon une réussite, alhamdulillah. S'il n'y a pas fini de prendre aucun chemin haram pour y atteindre ce but, il y en a d'autres qui, tout ça là, c'est pas une question qui est beau, qui est correct, qui est acceptable. Mais seulement, c'est pas ça, vraie réussite. Vraie réussite, c'est celui qui finit de réussir les jours du Qiyam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ زُحْزِحَ عَلِ النَّارِ C'est lui qui finit échapper des pits qui fait l'enfer. Wa udkhila al-jannah. Et il finit rentrer dans la jannah. Si Allah Rabbul Alamin permet lui dans la jannah, faqad faz. Ça, c'est mon là, vraiment, il finit faire la réussite. Mon frère et sœur, il y en a d'autres qui, tout le monde, pour content faire réussite. Il y en a personne qui content faire. Les élèves qui plient. Pas apprendre, plus sauver l'école, plus négligent. Quand le résultat vini, dis-tu pourquoi autant, si tu gagnes un résultat d'une passée, même gagne eux, même gagne n'importe qui niveau, une fois qu'ils trouvent le résultat passé, ils sont contents. Tout le monde content succès. Du monde qui fait des efforts, du monde qui pas fait des efforts, tout le monde content faire succès. Imaginez les jours du Qiyam, hein? Si un du monde fait succès, qui qualité content, lui, vous content. Paix n'a plus grand la joie pour une personne qui, les jours du Qiyama, lui, parmi, bandimon, qui finit faire la réussite. Mais je m'en dois avec Allah, Rabbul Alamin, par pitié qui est non pour nous, oh Allah, fais-nous tout vin parmi ban qui fait la réussite. Mais seulement, ban frère et sœur, il est important pour nous comprendre une petite chose. Pour faire la réussite, même côté dunya, Vous trouvez qu'il bisait des efforts derrière sa réussite là. Ça m'a des élèves qui finit sortir lauréat aujourd'hui là. C'est pas mon élève qui l'est
à l'école, il prend gagner une médaille, quoi, pas de faire des devoirs, pas de réviser, pas de rien. Après, un seul coup, il y a un résultat lauréat. C'est pas comme ça, ça. Je vous dis, ça va un résultat qui vient tomber là, c'est un résultat des bons efforts. Oui, alhamdulillah, et non, du monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient créer lui-même avec une intelligence forte. Mais il reste qui, tout intelligent, tout intelligent. Et il y a un effort qui nous a fait, pas capable, pas dans l'école, pas de tous lire, pas de tous cahier, pas de tous laurier, ne prendre qu'un seul coup de rentrer l'examen, gagner un résultat, lauréat, il n'y a pas comme ça, ça. Et il y a un effort qui nous a fait. Alors, si concernant Dunia, nous tout comprenons qu'il y a besoin de faire des efforts, et besoin de faire des efforts nécessaires pour réussir. Mais qui fait concernant nous, Akhirat, nous ne comprenons pas. Ou bien nous déclarons pas comprendre. Il arrive là, pour nous comprendre ce qu'ils sont là bien, parce qu'ils ont du lien. Un demande, il compose intensif une felle là. Qui veut dire ça? Est-ce que ça veut dire qu'il va faire réussir dans du lien? Combien de monde? Une felle sixième. Et de l'autre côté, il y en a qui vient sortir lauréat, on trouve lauréat encore chômé, à pas faire un travail. Felle sixième, par l'ordre d'Allah, une rentaine business, une finie réussie, une finie. Ah, c'est pas combien? Pas de terrain, combien de bâtiments il y en a? Tout ça là, c'est pour montrer où, qui ça, l'examen, qui beaucoup d'élèves, peut-être, ou bien quelques élèves qui font une fête là, là. Pas mais dire qu'ils ont une fête concernant la dunia aussi, malgré qu'ils ont une fête dans l'examen. Mais les jours du Qiyama, il n'y a pas beaucoup comme ça. Les jours du Qiyama, c'est lui qui fait une fête dans sa l'examen qu'Allah va pour l'amine, qui l'a envoyé pour faire dans sa dunia là. Pas pour un an, personne qui est capable de faire lui passer. Pas pour aucun cimé qui n'est capable de traverser pour qu'il y réussisse et la réussite. Parce que le jour du Qiyamah, soit qu'un dimoun, il peut prendre chemin de Jannat, ou bien il peut prendre chemin de l'enfer. Et une fois qu'un dimoun il fait, dans l'examen Allah Rabbul Alamin, il n'y a personne qui est capable de faire lui passer pour mourir, il n'y a rien. Même qui constate l'argent, il est capable maintenant, même qui constate statut de la société, il est capable maintenant, tout ça là n'a pas pour amener aucun service. Alors, à cause de ça, il est beaucoup plus important pour nous target, nous réussir dans nos akhirat. Alors, à cause de ça même qu'Inch'Allah, dans nos khutbah aujourd'hui, nous poussons tous quelques bonnes qualités, quelques bonnes points importants qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, lui fin attirer nous l'attention afin qu'il nous vienne parmi ban qui fait la réussite, et aussi, nous vous prenons quelques ban sunnah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller nous, certains ban conseils, afin qu'il nous fasse la réussite, et dans dunya, et dans kabar, et dans nos akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala, les causes concernant, ban du monde qui finamène iman, et ban du monde qui finit faire ban action, les dire, وعد الله المؤمنين والمؤمنات الله فين قومت بان جم كفين امن ايمان اي بان مدام كفين امن ايمان دقيقة الله سبحانه وتعالى بين غاس فمينين او بين غاس مسكولين كي ينا بلي فالير دقيقة الله سبحانه وتعالى سلوي كفين فيابو كي لسوا ان ميسي او بين مدام تول لدي اغال دان كونسيدراشو الله الله قومت لدي qu'il soit un homme qui finamène iman, ou bien une madame qui finamène iman, lui dire, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ban zardin, qui est la ban la rivière qui coulait en bassin, khalidina fiha, je pourrais s'adam éternellement, wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met ban demeure, ban joli joli lacan, ban joli joli place pour rester, qui bien excellent, qui bien joli, dans ban jannat éternel. Ensuite, Allah Rabbul Alamin dit, wa ridwanum min Allahi akbar, mais la satisfaction depuis Allah Rabbul Alamin, ça y a un plus grand bonheur. Allah Rabbul Alamin finit satisfait avec vous. Et quand un qui finit amène iman comme un bizin, et vous finit faire une bonne action comme un bizin, alors Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec vous. Sa satisfaction là, il y en a beaucoup plus valeur qui jannat qu'Allah Rabbu Amin de nous, parce qu'il y a encore beaucoup de faveurs que vous gagnez. Ensuite Allah dit,
ذلك هو الفوز العظيم. Ça, c'est le succès suprême. Ça qu'appelle succès. Un du monde qui rentre dans une note est un élevant et qui gagne satisfaction à Allah. C'est ça qui, chacun parmi nous, vise à rôder, man, frère, man, sire. Si nous rôdons satisfaction à Allah, subhanahu wa ta'ala, nous rôdons dans notre Allah, ça du monde là vraiment, l'in comprend comment faire la réussite, une vraie réussite qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, financière nous attention dans plusieurs places du Coran. Allah, subhanahu wa ta'ala, pour une bonne qualité, qui lui fait ordonner, qui nous faisait aidant, pour qui nous fait la réussite, peut la doute qui premier là-dedans, c'est nous amène un bon iman, à quoi ça même qui? Dans le commencement même, dans surat al-Baqarah, Allah Rabbul Amin, il dit, Alif Lam Mim. Et Alif Lam Mim, c'est man lettre, man huruf muqatta'at, man lettre arabe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fait le Coran là, pour depuis le commencement jusqu'à la finition avec man lettre arabe. Mais, vu qu'il man arabe, c'est fort de langage, et je t'y fais faire man grand grand poème, Allah subhanahu wa ta'ala fin challenge avec un Coran qui, ce man lettre, c'est man alphabet arabe. Alors, il y a tiers de l'attention, Alif Lam Mim. Ensuite, il dit, « Zalik al-kitabu la raiba fi » Ce livre, là, le Coran, n'a aucun doute là-dedans. « Hudan lil muttaqin » Et ce Coran, là, il y a un guide pour ban qui la taqwa. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Alladhina yu'minuna bil ghaib » Ça, c'est la première qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, « Ban qui la taqwa là, c'est ban qui jete la iman dans ghaib. » Iman dans ghaib, lui, couvert, tout le monde l'aspect de l'iman. Il commence par l'iman en Allah. Parce qu'Allah, Rabbul Alamin, il finit faire nous, comme une bonne vérité, il finit mettre une bonne si claire, pour nous reconnaître sur l'existence, pour nous amener l'iman au lit. Mais c'est bon, nous ne trouvons pas Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est parmi les iman dans Raïb. Raïb, c'est une chose qui est invisible, qui ne pas trouver. Et comme ça même, nous amène l'iman dans un ange, nous amène l'iman dans un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fait descendre, dans un iman, dans un prophète qu'Allah fin envoyé, dans un iman, dans yawmul akhir, dans un iman, dans qadar, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et tout ça là, on trouve qu'il y a une relation directe avec iman de ghaib. Parce qu'une personne parmi nous pas connaît le futur. Et qadar, lui englobe ce qui vient traverser, ce qui peut traverser et ce qui peut traverser. Tout ça là, il faut en partie de qadar. Allah Rabbul Amin, premier, l'aspect qui définit tout ça, c'est l'aspect de l'iman. Et puis, on a doute que l'iman, c'est sa même plus grande bonne action qu'un dimoun capable de faire. À cause même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les dit, la tadkhulou na jannah, hatta tu'minu, ou pas pour rendre la jannah, aussi longtemps qu'il ou pas finalement l'iman. Et le jour du qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il finit mettre dans l'habitat jannat, dans jannat, dans l'habitat l'enfer, dans l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous tire, depuis dans l'enfer, ben, du monde qui est la même grandeur, la graine, moutarde, iman, dans cette l'équerre. C'est même un tchikit, iman, et non. C'est ma, et non, iman. Pas qu'à pas finir la iman. Obligé à finir la iman en Allah. Si un du monde pas finir la iman en Allah, ça du monde là, éternellement, les poils dans différents l'enfer. Mais si un du monde, les finalement iman, il y a l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre la jannah. Soit directement, ou bien indirectement. Directement veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pas faire les passeports l'enfer du tout. Mais faire les rendre directement de jannah. Et indirectement, il y a beaucoup de monde qui vous traverse une partie de temps dans une existence d'akhirat, dans l'enfer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, pour tirer les autres débits de l'enfer, pour nettoyer les autres, pour purifier les autres, ensuite pour mettre les autres dans la jannah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, débits de l'enfer, et fait nous rendre directement dans ce jannah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, première chose qui lui fait attirer notre attention, c'est nous viser un iman dans le rêve. Ensuite, Allah dit, wa yuqimuna s-salah, et je t'établis un namaz. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Et depuis ce qui nous fait d'un jet, Allah Rabbul Amin, c'est lui qui fait de nous richesse, ou bien les vôtres qui m'en faveur, qui se fait, يُنْفِقُونَ Je dépensais dans le chemin d'Allah. Je dépensais depuis ma richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnait. Allah subhanahu wa ta'ala continue, il dit, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
Ben qui vient amener iman, là aussi qui vient descendre, qui vient révéler le toi. Et ben ça qui vient révéler le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui englobe Coran et Hadith. Parce que Coran, ça lui connaît qu'Allah vient descendre Coran, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais connaît qui Hadith c'est Wahi. Comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala vient lui dire, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas cause par ce désir, mais c'est Wahi qui vient descendre l'Oli. Wahi qui vient descendre l'Oli, et ben l'enseignement Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ben qui sort qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient descendre, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alors sunnah aussi, ben la doute qu'il amène iman dans sunnah, pareil qu'il amène iman dans Qur'an. Mais il est normal que le Coran, il y en a beaucoup plus valeur que le Hadith. Chaque lettre qui est liée dans le Coran, nous gagne récompense. Mais c'est moi dans la loi, mais il n'y a aucune différence entre la loi qui est dans le Coran et la loi qui est dans le Hadith. Ensuite, Allah dit, « Wa ma unzila min qablik » Et je t'amène iman aussi, dans tout le livre qui finit de descendre avant toi. Et nous, iman, le bon livre avant nous, c'est un iman en gros. Le ban livre qui t'y descend, le saban prophète là, dans l'époque qui t'y descend. Mais dès nos jours, tout ce ban livre là, c'est ban livre qui finit falsifié, finit en retiré, ajouté là-dedans. Alors, nous, iman, il englobe ça aussi, qui tout ban livre qui existe à ce avant, ça y est, ban livre qui finit descendre, le ban des autres prophètes, c'est ban livre qui finit falsifié, c'est juste sur l'origine, qui t'y sortit depuis que d'Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَبِلْ أَخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Et je t'ai na yakin, je t'ai na la certitude concernant l'iman de l'akhirat. Et bien, ajoute qui est un djimoun, qui est na yakin, dans yawmul akhir, dans l'akhirat. Il y a na yakin qui est après la mort. Tout ce qu'il veut faire sur la terre, pour bizarre répondre dans le tribunal Allah. Ça yakin, là, pour aider, pour qu'il tout le temps, lui vive dans l'obéissance à Allah. Les malheureux qui, aujourd'hui, beaucoup de monde, je dis, avec votre la bouche, je t'amène iman dans l'akhirat. Je t'amène iman qui, quand vous êtes mort, je pourrais vivre. Je vous faisais du bout d'un tribunal à Allah. Vous faisais rendre compte avec Allah. Mais seulement quand vous êtes sur mon action, ça va l'action-là, pas montrer du tout, qui, je t'ai un vrai iman, le yom l'akhir. Comment est-ce qu'un du monde, après qu'il fait une conne concernant l'enfer, qui se diffait 70 fois plus fort qu'il diffait qu'il y a dans la terre. Après qu'il fait une conne, colère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour colère, les jours du Qiyama, qui ban prophète d'Allah, je même je vous grimper, je vous dis nafsi, nafsi, je vous grimper en cas, je vous dis mon propre nafs, prophète d'Allah, gagne autant à frayer. Pour ce jour-là, du monde aujourd'hui, les gens amènent l'iman dans l'akhirat, il dit, il y avait un iman de Jannat, il y avait un iman de l'enfer, mais c'est mort, tout mon action qui amène vers l'enfer, on trouve les présents. Tout mon action qui amène vers Jannat, ça y est absent. Et il y a encore, on peut croire qu'à travers 54 actions-là, il pourra être dans Jannat Allah. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala fin causé, dans le commencement du Coran même, on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre en face le iman. Il fin mettre en face le salat. Et il fin mettre en face l'ont dépensé dans ce chemin. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, lui conseille de dire, Oulaika ala hudam mir rabbihim. Saban là, je te l'en guidance depuis je te rab. Wa oulaika humul muflihun. Saban là, c'est ban qui finit faire la réussite. Saban là, tout ce qui finit mentionner avant là, tout ce ban qualité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit mentionner là, pour Saban qui fait Saban Kadi Akshola, Allah dit, Saban là, fin faire la réussite. Dans le place de Surah 23, ayat 1 à 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qad aflaha al-mu'minun. Ban mu'min, certainement, je ne fais la réussite. Ban mu'min. Kafir, pas pour faire réussite. Vrai. Ban du monde qui pour faire réussite, c'est ban du monde qui fait un iman, un bon iman, un iman qui accompagné avec une bonne action. Allah dit, Alladina hum fi salatihim khashi'un. Ça m'a un mu'min, là, c'est pas un mu'min qui dit ça avec l'Iman. Après, là, Zouïd ou Trouzat en Kouda Majid, dans Ramzan ou Trouzat en Tchigit, Zoumayat ou Trouzat en Tchigit, pas ça maintenant qui peut causer là. La peut cause, ban mu'min, Alladina hum fi salatihim khashi'un.
Même qui, quand je fais la salat, je fais la salat avec khushu. Khushu, c'est avec l'humilité, avec la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, un djimoun, pas pour capable de faire aller, si le papa comprend qu'il veut dire la salat. Ça, un djimoun, pas pour capable de faire aller, si le papa reconnaît, tu vois que ça là, il peut venir djimoun pour faire salat. Comment capable un djimoun, il peut faire salat quand il veut faire Allah Akbar, ça n'a même pas bien envie de faire. On trouve un djimoun qui vraiment lui connaît, il peut djimoun, tu vois Allah Akbar, amin. Quand il peut commencer, il veut dire Allahu Akbar. Allah plus grand. Quelle est sa parole qui nous commence ce salat pour faire nous rappel concernant divan qui s'en là nous peut venir djibouter. Mais autour du monde là, venir, qui a fait, comment je vais rentrer dans ma zine, parfois je peux venir, peler la main là, pas peler même, puis attacher, ben djibouter, comment dire, assez bouton, ben, ça a été dans ma zine, nous pouvons faire. Après, vous voulez faire récite, Allah subhanahu wa ta'ala, les financiers à l'attention, les dit, alladhina hum fi salatim khashi'un, ban qui dans le salat, je t'en accouchou. Allah subhanahu wa ta'ala, pas besoin de une quantité de salat, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour compter, ouais, qui quantité, ouais, n'a fait, on fait beaucoup, beaucoup, non. Mais si on fait tigit, mais seulement on fait bien. On fait lui comment besoin. Ben, un doute qui sort, il peut en avoir beaucoup plus valeur, qui une quantité, qui pas fin respecter, ben, règlement salat. Dans l'époque, la source, sallallahu alayhi wa sallam, fini, il y a une personne qui finit faire namaz. Si t'en fais les vite-vite, venez du bouté, alda beaucoup vite-vite, lever vite-vite, alda sida vite-vite, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'allais, et il va dire, fa salli, fa inna kalam tu salli. Retournez à faire namaz, parce que tu vas faire namaz. Allah subhanahu wa ta'ala, pas besoin de s'accorder namaz, allez. Allah pas à peine que nous fassions l'exercice, jamais. À aucun moment, salat c'est un exercice. Salat, jamais c'est un exercice. Salat c'est un ibadat. Et il faudrait pas nous faire l'exercice. Nous visons faire salat comme un ibadat. Nous visons faire salat comme un moyen pour nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala et nous faire les posément. Nous faire une façon qui nous ressentit, qui nous rapproche nous avec Allah subhanahu wa ta'ala et plus nous faisons effort, nous apprendre tout ça une parole qui nous dit dans salat là, ça lui pour aider nous pour nous gagner plus beaucoup khushu dans le salat. Qu'Allah Rabbul Amin lui aide nous tout pour qu'il nous fasse salat avec khushu. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il continue à dire وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ban qui vient les deux avec Allah ban qui vient les deux avec Allah qui veut dire Allah Allah c'est ban action ou bien ban parole inutile qui n'a pas aucune valeur c'est ni vous profiter avec lui dans dunya ni vous profiter avec lui dans akhirat je dis tout Allah fin envahir, parce que tout du monde qui est capable est là, dans sa limon là même. Partout où trouve Allah fin rentrer. Jusqu'à même dans ma zid, où trouve Allah fin rentrer. Ben, quelque chose qui est inutile, qui va du monde, peut perdre ses autres temps avec ça, sans qu'ils ne gagnent aucun profit. Un du monde rentre dans ma zid bonheur. Vous connaissez quand il faut ça, ou faire des efforts, ou une ma zid bonheur. Avant Azan, ou finir rentrer, ou faire un affaire, ou gagner l'occasion pour dire un tiki Kouran, ou gagner l'occasion pour faire un ska, ou gagner l'occasion pour faire un doigt. Azan donné, ou même quand on donne Azan, et quand Azan finit de donner, un moment que doit accepter, ou capable de profiter beaucoup. Et dans ma zen, ou trouve, j'ai vu une magie de bonheur, je prends un pot d'âme, puis je vais, puis basiner, puis get tu vas qui clipse, etc. Mais quelque chose qui est inutile, et ce qui est malheureux. Si tant aujourd'hui, beaucoup de zen, pas donne valeur à ma zen. Jusqu'à dans ma zid. Et dans ma zid, get ban qui sont malpropres dans ma zid. Quand vous venez dans ma zid, pas faut que vous rentrez ici, il faut que vous prenez votre mimbar, même vous pas derrière, appelez ma zid même ça. Même vous dans la cour ma zid là, ou appelez dans ma zid même ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de zen, pas respecter ma zid du tout. Vous trouvez dans ma zid même, peut venir get sur le cadre de ban clips, parfois autant de ban la musique peut sonner, vous trouvez autant de ban qui sont qui haram peut dérouler. Tout cela, c'est quelque chose qui perd sa grain. Et les malheureux qui, avec sa outil, qui sont capables de servir, pour qu'ils profitent, ou même beaucoup. Alhamdulillah, c'est pas fait. Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah va vous amener, fin donne du monde connaissance pour qu'ils soient potables aujourd'hui. Et potables rend du monde beaucoup de service. Mais seulement potable, c'est un couteau qui coupe des côtés. Celui qui compte servir, il servit pour faire un bon quelque chose.
Mais seulement la majorité du monde peut servir potable pour faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Peut faire quelque chose qui est haram ou bien quelque chose qui perd le temps. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui du jour? Plus beaucoup de le temps à l'enquête, plus beaucoup le Facebook, le Twitter, le WhatsApp, je ne sais pas l'enquête, tous les réseaux sociaux autour de peut perdre le temps là. Je me disais, combien de courants t'en y a aujourd'hui? Il va y avoir le temps de courant. Courant, il va y avoir le temps de courant. Mais pour dire que tout ce qui a été quelque chose qui peine aucun profit, ça a l'ingéré beaucoup le temps. Combien d'ayettes de l'apprendre aujourd'hui? Pas n'y a le temps d'apprendre aucun ayette. Mais pour apprendre bonne santé, ou bien bonne dialogue, ou bien quelque chose qui fait rien, ça a l'ingéré beaucoup le temps. Alors, Allah Rabbul Alamin peut montrer pour qui nous fait la réussite. Pour qu'il nous vienne parmi les mu'mines, qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fait nous faire la récite, lui dire, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Ban qui, quand met l'arbre, ban qui chose qui perd le temps du marché. Je tourne les dos. Je ne peux pas participer. Pas je ne même vienne ban acteur, ban actrice. Non, au contraire, je tourne les dos. Et je décourage chaque chose là. Aujourd'hui, nous ne sommes pas découragés, au contraire, je t'encourage à quelque chose là. Chacun invite son camarade pour perdre le temps au game, pour perdre le temps au jeu, pour perdre le temps au banque inutile. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala finance nous attention pour qu'il nous vienne par une banque qui fait la réussite, arrête de perdre le temps de banque inutile. Walladina hum lis zakati fa'ilun, banque je donne, je zakat, je t'acquitte je zakat convenablement. والذين هم لفروجهم حافظون بان كي بريزيرف زو بارتي بريفي الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين اكسبت بان كي زو بي سي بريزي افيك زو بان مادام او بيان بان مادام كي زو بوسيدي سا سي زو ان بان مادام اسكلاف alors ça Allah رب العالمين زي زو با بو ات بلامي بو سا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون بان كي je transgresse ma limite, je sais satisfaction à part ça, ça ban là, c'est ban qui finit faire, ban transgression, walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ban qui respecte cette amanat, c'est comme un dépôt que je garde bien, et je retourne les cabisins, et je serai dans ce ban l'engagement que je prends, et ça aussi de nos jours, l'engagement ban si vous ne pas penser serrer, walladina hum ala salawatihim yuhafidun, Allah remet en face, il dit, ban qui préserve, je ban salat. Salat, c'est un kito qui nous oblige à préserver ça. Préserver. Veut dire, pas rater. Veillez-nous bien. Sacler à salat, nous présent et nous faire dire comment bizarre. Tout ça là, c'est un kito qui est important pour nous faire la réussite, ban prévention. C'est un petit monde qui néglige dans son salat. Il n'est pas drôle qu'il s'en même assez pour qu'il n'y pas faire la réussite. Ensuite, Allah dit, oulaïka humul waritoun. Sabanna se man zeriche, alladina yarithun al-firdaus ahum fiha qalidun, ban ki pou erit al-firdaus, jannat al-firdaus, et je pourrais ça dans, pour tous les temps, qu'Allah Rabbu l'Amin, il fait nous tout, vin parmi ban ki fait la réussite, et il fait nous vin parmi ban habitat jannat al-firdaus, akulu qawli hadha wa sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah wa sallatu wa sallam ala rasulillah. Il y a d'autres qui, pour nous faire la réussite, et non pas, bonne qualité importante, qui nous vient, mettez dans nous. Parmi, Allah Rabbul Alamin dit, wa man yuti Allah wa rasulahu, faqad faza fawzan azima. Celui qui obéit à Allah, et obéit à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, certainement, il finit faire une grande réussite. Tout bonne qui soit, qui vous connaît. Qu'Allah Rabbul Alamin finit au faire. Ou bien Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, finit au faire. Faire des efforts, faire lui. Parce qu'Allah, sur Rasul, pas finit à nous faire accepter bonne chose qui est bon pour nous. Et qu'Allah Rabbul Alamin et son Rasoul finissent empêchent nous faire une chose qui nous abstenir parce qu'Allah Rabbul Alamin et son Rasoul pas finissent empêchent nous accepter une chose qui n'est pas bon pour nous. Comme ça même, parmi les qualités qui nous viennent encore, Allah dit, « Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun » Celui qui finit être protégé contre l'avarice, c'est ben-là les victorieux. Et parmi les qualités qui nous viennent payer dans nous, et dans les qualités qui nous viennent, et parmi les qualités qui nous faisaient payer, non, c'est l'avarice. Faut dépendre de nous, de monde avant. Man du monde qui n'est pas content de dépenser, pas content de donner. Nous faisons content pour nos frères, nous faisons aide nos frères, nous faisons content de donner dans le chemin d'Allah. Mais il y a d'autres qui savent, il faut faire, man du monde faire la réussite. Comme ça même, Allah Rabbul Alamin, il dit,
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Banque qui jette balance côté du bien, pour payer les jours du Qiyama, alors ça m'en lance pour faire la réussite. Alors, plus nous faisons une bonne action, c'est ça qui peut aider nous les jours du Qiyama pour nous faire la réussite. Comme ça, Allah Rabbul Alamin dit, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'il y a un groupe du monde parmi vous qui invite les vers les biens et je t'ordonne al ma'ruf, c'est ce qu'Allah considère comme bon, et je t'empêche al munkar, tout le monde qui sait qu'Allah fait des corps mauvais, et c'est ça ben là qui vous fait la réussite. Alors, il y a un doute qui, ça c'est une qualité qui nous tout, nous faisons faire des efforts, nous participe là-dedans, nous ordonne les biens. Il ne faut pas quand nous peut faire un bon travail, nous gardons pour nous. Combien de monde comme ça, on trouve dans la case, arrive à Zan Dene, il sortit, il peut venir m'asile. Il ne peut pas être encore, si pas ses enfants, ce madame, pas peut faire cela. Ça, c'est nous responsabilité, ça. Ordonne les biens. Et il commence premier dans la case. Peut-être doute qui ordonne les biens commence dans la case. Ou pas capable, un Zimoun, ou peut sortir pour faire cela, ou pas prendre en compte, ban qui sous responsabilité, est-ce qu'il peut faire la main ou bien non. Et comme ça même, quand nous trouvons les mal, il ne faudrait pas dire que nous tournons les deux dans l'air. Mais nous faisons faire des efforts pour nous empêcher. Et plus nous avons l'autorité, plus nous faisons agir avec l'autorité qu'Allah Rabbul Alamin fait de nous, qu'Allah Rabbul Alamin nous fait nous. Qu'il tire sa bonne qualité, noble, qu'il fait enseigner nous, pour qu'il nous fasse la réussite les jours du Qiyama, et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala fait nous tout. Vienne parmi nous qui fait la réussite, qu'Allah Rabbul Alamin nous aide nous. Pour nous toujours faire les biens et nous restreindre depuis les mal, qu'Allah Rabbul Alamin dit, accorde-nous Jannatul Firdaus, qu'Allah Rabbul Alamin dit, protège-nous depuis différents enfers, accorde-nous qu'on y a d'un. Wa sallallahu alayhi wa sallam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.